Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue chers amis, bienvenue à la chasse aux aliens. Aujourd'hui, on va les traquer, on va les trouver et on va cliquer dessus. Enfin, je clique avec cette main qui semble alien. Voilà, un petit jeu, un tout petit jeu qui coûte pas grand chose, 8 euros là. Avec, comme il est sorti, normalement il coûte 10 euros, là, il coûte que 8 euros. Mais j'aime beaucoup l'aspect artistique du jeu, je trouve très très mignon, je l'ai vite demandé. C'est un peu Où est Charlie ? Mais avec des aliens. Donc voilà, c'est une découverte évidemment. Je tenais à le faire avec vous. Et on se lance. Pour bien comprendre. Ah, good day. Good day viewers. You're watching a space news and blown. I am blown and I am there for bring you a latest news from across the galaxy. Alors si on est dans la galaxie, comment se fait-il qu'on cherche des extraterrestres? On n'est pas sur Terre, j'ai pas compris. Bon bref, en tout cas, il nous souhaite la bonne journée, le viewers, tout ça. Means tourist, ministry of, donc le ministre du tourisme. Je connais pas ce mot-là. Triangle, its rule having the pinnacle of Earth. A special correspondent, the Bill Graham. Alors, il y a toutes les langues du monde, malheureusement, il n'est pas en français. Reporting live from scene. Apparemment, on doit reporter la vie sur la scène. C'est lui que je cherche. Hello from Adoring Fan. Adoring Fan from the below the bubbles. Bon, bref, il salue ses fans. Bubble Goo. I'm with you. Il est avec nous. Beloved, donc il croit en nous, il est avec nous, hein, on est d'accord. Hein. Getting the point, please. Airtime and expensive. Oh boy, you're starting the falling. I'm next to you. I'm next from. It's time from you. Je lis ce que j'ai envie de lire, hein, c'est terrible. Bon, apparemment, il est avec nous. Il est temps. Voilà, c'est la lumière de sa supernova. Don't make the mood. Voilà, ne commence pas. Écoute, on va passer un petit peu. On va voir un petit peu ce qu'on... Ok. Donc là... Alors donc, il est déguisé. Can tell the difference between and a human. Donc apparemment, il est déguisé comme ça. Et on le sait, ça. Et il faut le trouver. Ammo. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est un peu comme... comment il s'appelle? Oh, c'est un Total Recall. Quand il enlève le truc... Ok, donc il faut que je trouve tout ce qui m'est demandé. C'est quoi, c'est les clés de la soucoupe, ça? Il y a plein de petites choses, alors. Donc du coup, ça, c'est un toutou. Et là, ça brille. Pourquoi ça brille? Donc, tiens, c'est un beau toutou. C'est un beau toutou d'extraterrestre. Pourquoi ça brille, ici? Ah, d'accord, il y a un... Ah, je crois que... Ça brille partout. Ça brille partout. Enfin. D'accord, donc si ça brille partout. Parce qu'il doit y avoir peut-être quelque chose dans le coin. Tiens, bon toto. Donc c'est où est Charlie? Ah donc j'ai trouvé les. Ok. Why not? Donc il faut encore que je cherche les clés de la soucoupe. Ah, attends, c'est quoi ça? Il faut que je trouve une enveloppe. Pourquoi une enveloppe? Ok. Voilà, il y a la soucoupe. Ah, le courrier, peut-être là. Ouais, d'accord. Bah voilà. Un paquet de chips. Mais qu'est-ce que ça foutu des clés? Ah, t'as un autre paquet de chips. Ah bon, une petite soucoupe. Je trouvais un blurp. Non, je sais pas ce que c'est exactement. D'accord, il faut vraiment chercher partout. Mais qu'est-ce que t'as fait de tes clés encore? T'as perdu ses clés. Y'a pas une petite boîte ici? Non? Un caillou ça? Qu'est-ce que t'as foutu de tes clés? Gros nul. Y'a un trou là. Y'a quoi là-dedans? Une petite... Viens, je te clique dessus. Bon, il y a une petite bouteille, mais ça, on s'en fiche. Là, on peut découper du bois. Il y a des saucisses. Je peux avoir une saucisse? Oh, tu les as fait griller, hein? Fais quelque chose.
Ah mais il faut les ramasser. Bon bah pizza, sinon moi je ramasse tout. Oh une part de pizza. Oh je vais m'en faire une tout à l'heure. Petite secours. Ah bah voilà, d'accord, elles étaient sous le schmurt. Et donc vous pouvez rentrer. Oh c'est mignon, ça c'est bien. Level un task complete, ok. Un petit paquet de chips là. Ok super. J'ai trouvé le dernier paquet de chips qui était derrière là quoi. Là. Derrière le truc. C'est bon, on peut y aller ou pas? Ah, malheureusement, il y a toutes les langues du monde, mais pas français. C'est un peu dommage. Nous oublie pas les copains. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On peut partir? Oui, on peut partir. Et hey, cowboy, on a rapporté la vie from the earth à la vie de la terre. Interplanetary Travel Company applies to advertisement on this field. Donc apparemment, il y a une compagnie internationale qui a placé un avertissement sur ce champ. Would like attract, ah d'accord, attirer l'attention relative to the target audience. Bon bah apparemment, c'est pour faire de l'audience. Alors, attention, first long, gentleman, introduce true love of alien and a fan of enemy. Ah, a human. Voilà, quelqu'un qui l'aime beaucoup, un humain. I'm ordered not a locket and going to use. Donc, apparemment, il va se déguiser. Also, I'll introduce a guest. Donc, il va introduire un invité. Who think know everything about. Qui sait absolument tout à propos d'eux. Un alien doctor detector. Ah, on a un alien detector microwave par vague micro-ondes. Plastic tube, a ship. Je pense que vous avez compris. Alors, voisin. Cat think was an alien. They honorably. Donc apparemment, le chat, il pense que le chat du voisin est un alien. Et donc c'est lui, donc il sait absolument tout. My name is Sean. Désolé Sean. Dites à nos spectateurs ce qui s'est passé ici. Un phénomène incroyable, un crop circle. Les aliens m'ont dit quelque chose. I'm sure, je suis certain, they getting ready to invade us. Ah, il est certain qu'ils vont nous envahir. Bon bref, I think a look at the avid wallet tourist. Ah d'accord, donc il se cache derrière le humain pour poser la question à machin, d'accord. So carefully, extremely the same John. Bon bah fais attention John. My name is Sean, ok. Peu importe, enfin, on va trouver quelque chose, vous avez investigué, vous avez enquêté. Allez, non, j'ai pas fait apparemment. Keep looking, I'm sure I find more clutch. Il va chercher, il va trouver. Allons-y. Donc apparemment, il faut que je trouve. C'est marrant, il y a une petite histoire. Ah, ça pique les oreilles, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite histoire qui est pas piquée d'un truc, qui est plutôt sympathique. Ok, donc... ça fait du bruit, parce qu'il y a un casque, normalement. Wow. Donc là, ça parle à propos des aliens. Ah, mais il fallait que je trouve, lui. Qu'est-ce qu'il y a derrière les poubelles? Donc nous enquêtons sur les aliens. Alors que, apparemment, c'est aussi des aliens. Ah, c'est le garage juste, il est là. Et là, il y a une bagnole. On peut encore faire cramer les saucisses. Ah, et d'accord, bah, il est là, lui. Ok. Oh, regarde, je peux ouvrir les... Ça, c'est pas mal, parce que je peux ouvrir les fenêtres, je peux ouvrir des trucs. Oh, une petite soucoupe volante. GG. Du tracteur, c'est un alien, ça c'est quoi ça? Ça a trouvé ça. Regarde, il est là, il est juste là, ce con d'alien. Qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve? Une guitare, un mec comme ça, ou à. D'accord. Qui c'est lui? Donc lui il rêve de. Ah bah il est là non? Si je clique dessus. D'accord. Oh, c'est bien, ça nous. On a trouvé. Ah, il faut recliquer dessus, là il y en a un qui sourit. Ah, c'est marrant ça. Ça fait pareil. Bébé. Donc, toi, on s'en fout de toi. Un crop circle. Qu'est-ce que c'est? What is this? Ça, il fallait trouver. Oh, regarde, un chapeau là. Du maïs. Wow.
un petit chien, on peut pet de dog. Et ce c'est ça, c'est de l'agneau et une fourche. Donc qu'est-ce qu'il faut que je trouve encore? Un taureau, une guitare, un type avec des lunettes genre Made in Black. On fouille les poubelles pour être sûr. Un alien. Je t'ai vu enfoiré. Y'a quoi sous le caillou? Pousse-toi. On regarde partout, partout, hein. On regarde partout, partout. Oh, y'a des voitures. Et tu peux cliquer absolument partout. Je sais pas si le jeu, il est jeune public. Mais why not, quoi, j'ai envie de dire. Encore un petit chapeau qui dépasse. On ramasse le maïs. Mais c'est toi, non, qui... Non, c'est un type avec des lunettes. Pas toi avec un chapeau. Et une vache. Captain Humanoid. Mais hein, y'a quoi dans l'eau? Y'a quoi dans la bouffe des vaches? Oh, regarde, y'en a une qui s'est barrée. Ah bah, c'est le taureau qui s'est barré ici. Je t'ai trouvé. Y'a un serpent. J'ai vu le serpent. Ah, je peux péter les cactus. Je sais que t'es là. Vive le serpent, sort de là. Bon, y'a quoi dans le trou? Y'a quoi dans le trou, là? Bon, on va ouvrir un petit peu les machins. Y'a un petit portrait d'alien, là. Ça, il fallait trouver, ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une vache. Un appareil photo. C'est important, fallait trouver, ça? Je crois. Le courrier. Y'a quoi là-dedans? Y'a un chat avec une étoile. Attends, je trouve pas le mec du MIB. Je trouve pas celui-là, la guitare non plus. Qu'est-ce que je ferais d'une guitare, moi? Dans le coffre. Arrête de rêver, t'es chiant. Oh, dis donc, il y a des... Un toutou. Il manque le mec du MIB. Où y es-tu? Donc il manque la guitare, le mec avec les lunettes, l'arrosoir. Mais t'as pas un jardin quelque part avec un arrosoir? Là y'a un trou. Ah, je peux les bouger les... Ben voilà l'arrosoir, j'ai bien fait de les bouger. Ok, donc il me manque la guitare. Le mec. Donc il a un... C'est un genre de militaire. Il a des lunettes. Mais ils ont tous des lunettes. Est-ce qu'il se cache dans le maïs? Il y a quoi dans les boîtes? Il y a des ballons. Je veux les ballons. Ah bah là, voilà la guitare. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il me manque encore le type avec les lunettes. Bon, c'est passionnant, hein. Comme jeu, c'est marrant à faire, peut-être pas trop à regarder en fait, mais franchement c'est marrant à faire. Qu'est-ce que je ferais du mec, moi? Où c'est que je le mettrais? Ah bah j'ai essayé d'ouvrir ça tout à l'heure, j'ai pas réussi. Donc on a tout pris. Est-ce que, pour moi il y a trois aliens. Il y a quoi dans le maïs? Il ramasse le maïs. Prends tout le maïs. C'est pour Bibi, on fera des pop-corn avec. Et j'adore la salade au maïs, moi. J'aime bien le mettre avec du thon, des tomates. C'est super bon. Feu que le bois. Ah, tiens, regarde, je l'ai vu. Je l'ai vu. Encore deux. Oh. Encore deux petits bleus. Pas dans un trou. Pas dans un trou, là. Bon alors hein? Bon alors, genre, t'es littéralement là, quoi. Alors, un petit bleu, encore un. Un petit bleu, là. Bon alors, Nani. Chut.
Ah bah bravo. Bah, il faut apprendre que les trucs ils bougent. Que les machins ils bougent là. Et voilà. Bon bah on a fini, c'est ce qui était demandé. Ok, pour continuer votre broadcast live from Earth. Donc ils font une émission sur la Terre correspondante. Buddle Dare to give you score. Donc il est là pour donner mon score. Quel est mon score? T'as changé de couleur toi. Long life and prosperity. Voilà, long life and prosperity, c'est dans Star Trek. Et tu mets tes doigts, deux de chaque côté, comme ça tu les écartes. Et tu souhaites bonne vie, longue vie et prospérité à une personne que tu apprécies. Et même à une personne que tu n'apprécies pas, parce que comme ça, t'es une personne agréable. Voilà. Present love, commence to dress a various fantastic creature. Oh, c'est gentil ça, apparemment. What I think will look like a dare view. Non, c'était look a bloom. Sometimes to come to part dress of you. Bon, apparemment, quelqu'un qui se cache. On va avancer un petit peu, vu qu'on sait qu'apparemment il veut que je trouve des gens qui ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de trompe, une espèce de trompe. Ah, d'accord, donc il faut que je trouve un costume d'alien avec une tête, des bras, un vaisseau, je sais pas ce que c'est, un type avec des lunettes, un machin pour vendre des burgers, j'imagine, on dirait un stand, une dame avec des jetons géants, comment il s'appelle, Docteur Zoidberg, j'adore Futurama, oh bon sang, un type, un extraterrestre très mal déguisé, un pistolet, un extraterrestre déguisé en cheval. Ok. On peut mettre de la musique. Non. Y'a quoi là-dedans? Ouvrez, police. Des pastèques. Je peux les manger. Ok. Oui, excusez-moi, pardon. Je touche un petit peu, hein. Je mange les pastèques. J'aime ça, les pastèques. Oh, j'en ai eu encore une. Une dernière pastèque. Attends, mais la vache, la map est gigantesque. Oh, mais c'est plus que grand! Ah, d'accord, mais c'est... Où est Charlie, mais version hard, là? Oh là là, et vous moquez, enfin! Oh, c'est ce que j'ai trouvé, c'est surtout des pastèques. Oh, il faut bien regarder les gens, hein. Il faut bien regarder les gens. Il y a quoi dedans? Il faut bien tout ouvrir. Ah, oh, bah tiens, il est là, lui, je t'ai vu. Je t'ai vu en foiré. Une pastèque. Donc il faut que je trouve ça, ces gens-là. Gas station. Oh bah tiens, en voilà un. Et il m'en manque plus que 10. Génial. Y'a quoi dans la bagnole? D'accord, apparemment là il y a eu des étoiles. T'es qui toi? Y'a quoi là-dedans? Je te surveille. C'est la dame avec les boutons. D'accord, il faut trouver les pneus alors, si je comprends bien. Il en faut combien, madame, des pneus? Il en faut 4. Donc, 1 alors. Il y a un pneu qui est dégonflé. Ah, d'accord, c'est peut-être pour ça, parce que tu veux les changer. Mais c'est bien sûr, c'est bien sûr. Tu veux prendre le donut géant? Eh ben, j'ai trouvé un extraterrestre. Quoi dans la boîte? Là, il y a des déguisements, une petite pizza. Là, je peux tout manger. Nom, 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 nom. Ah, manger toute la pizza. Oh, il y a des pastèques partout. Oh, je vais remanger la pizza. Donne envie. Alors, il y a un extraterrestre avec une bière. Il y a quoi dans le machin? Je peux manger le burger et les pop-corn. Ah bah tiens, en voilà un. L'épouvantail, il faut pas l'embêter. Il me manque un pneu. La vache. Je peux ouvrir ça? Non, je peux pas ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dans la grange? Il est là, lui. On va découper du bois. Petite peinture d'extraterrestre. Encore un. Il y a quoi dans l'autre? Il y a rien. Elle est où, la poulette? Elle est bien cachée. Je pars en hot dog. Mmh.
Bon, il manque un pneu, bon sang. Où c'est que je peux trouver un pneu comme ça? Je regarde, hein. Alors, excusez-moi si vous voyez. C'est ça, ça m'arrive mille fois aussi. Quand je regarde un autre streamer chercher un truc. Ah bah voilà, tiens, regarde. Quand je regarde un autre streamer chercher un truc. Et que moi je le vois. Exemple, Frédéric Mollard, alias le joueur du grenier. Et ben tu bouillonnes. Par contre, tu te fais ban si tu backseat. Et donc, faut pas, mais heureusement, les modos ils sont sympas, ils me connaissent. À force, depuis le temps que je dis des conneries sur le chat. Oh, il y a des poubelles partout. Je fais des. Excusez-moi, j'ai fait des saletés. Qu'est-ce qu'il y a? C'est réservé? Je comprends pas. Oh, un drone! Des paquets de chips. Ah d'accord, j'ai mangé des trucs. Ah d'accord, c'est vrai que tu peux enlever aussi. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? Un truc en escargot. Ça va être compliqué, hein. Le truc en escargot. Une tente secoupe volante. Bon, pour l'instant, j'examine. Ah, en voilà un. Ça va être compliqué de tous les trouver, hein, je vous préviens. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que c'est ça? On s'en fiche. Oh, il y a encore de la pizza partout. Je vais m'en faire une. Ok, donc on cherche un type avec des lunettes. Ouah, un costume. Ça va être compliqué le costume. Hein. Le costume, ça va être compliqué. Le type avec les lunettes, ils se ressemblent tous. Lui, le Cthulhu, là, le docteur Zoidberg. Putain, mais celui-là, mais si j'arrive à... Ah, juste un type avec un bonnet. Ouah, ça va être compliqué. Hein. Le pistolet. Regarde, lui, il a un bonnet. Mais c'est pas le même. Lui, il a un bonnet, mais c'est pas le même. Oh, ça va être catastrophique. J'y arriverai jamais. Casquette, bonnet. Et l'autre aussi, il est hyper random. Il a des grosses lunettes, c'est tout. Y'a quoi là-dessous? Y'a quoi dans le coffre? Mais non, mais oh! Y'a des boîtes comme ça qui existent. Je mange les chips. Y'a des boîtes comme ça qui existent. Tu appuies sur un bouton, et une petite main qui sort pour appuyer dessus, en mode non mais oh, qu'est-ce que tu fais? Et je trouve ça génial, il m'en faudrait une. Ah, le voilà l'escargot, il s'était caché. Petite pastèque, on allume le feu. Allumez le feu. Faut un type avec des lunettes, des grosses lunettes, un type avec un bonnet. Tout à fait basique et simple. Ouah, lunettes, grosses lunettes. Mais c'est pas ça du tout. Ceux-là, ils vont être vraiment plus difficiles à trouver, hein. Oh bah tiens, bah genre... Ok... Ouais, non, putain, celui-là... I looking for, hein. It's not easy, but I work on it, hein. Alors... On peut allumer, là, non? On peut allumer le groupe électrogène? Avec son fez, là. Genre... Et quoi dans la valise? Je peux prendre la casquette? T'as envie de faire pipi, mais vas-y! Mais non, mais c'est bon, vas-y, t'es dedans! Il est con, ce mec! Ah, je peux ouvrir, tiens. Faut que j'y pense. Ah oh, bah tiens, genre, il se cache, lui. Il s'était caché. Encore 5! Ah tiens, encore 4! Bah attends, oh. Ah oui, mais je l'ai déjà trouvé. Oh là là. Mais c'est bien si vous disparaissez, hein. Comme ça, je sais que... Je suis pas obligé de... Voilà, de... Ok, bon, ça c'est bien, en tout cas, une fois que c'est ouvert, tu sais. Ah mais tu vois, le sujet, il disparaît. Pourquoi tu... Y'a rien. Une minute.
Ah oui, mais il est trouvé, mais par contre, il reste. Les autres, ils disparaissent. Lui, il en a rien à carrer, il a décidé de rester là. Oh, une voiture de police. Fais pimpon. Ah bah le voilà, Dr Zoidberg. Meilleure série du monde, Futurama. Je me suis tellement régalé à chaque fois. Et quoi dans la boîte? Un chapeau. Ah non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Non, ça va être compliqué de les trouver. Hein. Là, les deux abrutis, plus le petit flingue là. Je l'ai encore en tête, hein, je regarde. De toute façon, je clique partout. Moi, j'ai la clique, le clic aigu. Ça veut rien dire. Je clique partout. Teddy Bear. Oh, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Il y a quoi dans la boîte? Ouvre la trappe. C'est pas avec un bonnet. Non, c'est un bonnet violet. Ah ben, c'est pas facile. Et du coca. Une boîte. Où est Charlie? Mais version vénère, mon gars. Ah d'accord, vous êtes comme ça. Ah, vous m'avez caché ça. Vous m'avez bien caché ça. Heureusement que j'ai cliqué comme un fou. Donc ça c'est... Attends, celui-là il est trouvé. C'est ce machin-là. Attends, par contre, tout ce qui est déguisement... Hein, la vache, je vois absolument pas. Là, il est là. D'accord, tu vois, je l'ai remarqué. Oh, je l'ai remarqué, pardon. Il n'y a pas des étoiles là, histoire de me donner un petit coup de main? Lui, il a un gros bonnet. Non, putain. Le problème, c'est le mec random. Ah, je peux les refermer. Il y a quoi là derrière? Ça s'ouvre? Non, ça s'ouvre pas. Quoi dans la porte? Sous le rocher? Je mets de la musique, je peux l'éteindre. Encore un drone? Quoi dans les poubelles? On va être méthodique. C'est pas le même. Encore un chat. Oh, je t'ai vu. Encore un bonnet, mais il est pas violet. Donc une grosse lunette et bonnet, il me faut. Ouais, globalement. Et le truc à burger, il est quelque part, mais est-ce qu'il est bien caché? Comme la poulette. Quoi dans les... Ouais, va faire ton pipi, toi. Oh là, et c'est pas simple, hein. Là, ça va pas être simple du tout, les enfants. Tout le monde a envie de pisser, je dérange tout. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Il lui ressemble, mais ce n'est pas lui. Oh, c'est un bonnet en laine qu'il a. Il a un fez, l'autre il est tout seul là-haut, il est malheureux. Personne ne l'aime. Un peu comme moi. Oh bon sang, ça va être compliqué là. Voilà dessous. Non. Une grosse lunette. Ah bah tiens, je t'avais pas vu. Encore trois. Trois petits extraterrestres. Oh bon sang. Non, mais il est où le... Il y a un bonnet, il y a un bonnet. Des lunettes. Par contre, ça c'est un genre de... C'est un genre de stand, ça. Un genre de stand à burger, ce genre de choses. Pourquoi je peux pas le trouver, ça? Le fermier. Ça on a fait... Truc à alien. Oh là, je suis bloqué. Ah, donc là j'ai l'autre bras. D'accord, il est en train de construire le machin de l'extraterrestre. Il manque la tête encore. Oh, une tête d'extraterrestre, je risque pas de rater ça quand même.
Je risque quand même pas de rater ça. Je vois un petit indice. On n'a pas ouvert là. Non, oui, c'est vrai. On a ouvert 10 fois, mais en fait, il referme à chaque fois. D'accord. Ah bah le voilà. Putain, il était là au milieu. Oh, je l'ai raté. Oh, vous devez être fou. Vous devez être fou parce que je l'avais pas vu. Grosse lunette. Concentre-toi sur grosse lunette. Il me manque le pistolet. Grosse lunette. Le truc. Il manque plus grand chose. Hein. Il manque plus grand chose. Il me manque cette espèce de stand avec des tentacules. Putain, c'est pas possible que je le rate. Tu vois que quand je vais tomber dessus, je vais faire. Ah ouais, il est là. Un type, il est tout seul, il a envie de se suicider. Est-ce que les lunettes, il serait pas là en train de danser au milieu de tout le reste? Et du coup, il est à l'abri des regards. Ah, Big Brother, je surveille tout le monde. Donc il a des bretelles, en plus d'avoir des grosses lunettes. Je mange tout, je n'ai rien à carrer. Oh non, mais ça fait 10 fois que je fais ça. Ah, ok. Alors, eux, ils sont littéralement là, quoi. Eux, ils se sont mis un petit peu à l'écart. Ok, super, ça, on les a tous. Par contre, franchement, retrouver le petit truc d'extraterrestre, le mec à lunettes, ce truc-là, bon sang, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je fais vraiment méticuleusement le tour de la map. Et c'est comme ça que je les ai trouvés. Y a quoi dans le trou? Mais c'est vrai que bon sang, c'est compliqué. Allez, le flingue ou le type à lunettes là. Quoi dans la boîte? Non, y a rien. Y a rien. Pourtant, je les examine un par un. Y en a aucun qui a des grosses lunettes comme ça. Oh là, c'est pour du MSF. Hein, quoi? Attends, j'ai pas compris. Ah! It's dark and fuel, rubbish, doesn't mind. Comment ça? T'es dans une poubelle, connard? A little bit rubbish, it's dark. Il s'est caché quelque part? Quelque part où il fait noir. T'es rentré dans un trou? Qu'est-ce qu'il me fait, lui, le bête rebiche? Je mange tout. Ah, d'accord, ok. Bon, bah voilà, voilà du neuf. Il faut vraiment, vraiment zoomer comme un taré. Parce que, alors, qu'est-ce qui me manque exactement? Donc il me manque ça. Alors j'ai cru que c'était un stand de burger, mais à y regarder de plus près, c'est plus Ultimate Creation. My hamburger with decorating counting nicely. Voilà, bon bref. Apparemment c'est un hamburger. Il faut que je trouve ça sur une table. Par contre celui-là j'ai du mal à. Strange. My head was just there. It's probably rolling behind the stone. Donc quelque part derrière une pierre. Et puis ce con qui a l'air d'être caché dans une poubelle. Mais j'ai tout ouvert. Oh là là, j'ai tout ouvert. Donc il me... encore trois trucs. Et c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu complexe. Donc, il y a du L, on lui a changé les pneus. T'aurais pas un burger un peu spécial, je crois, avec des tentacules dessus? Faut vraiment vraiment cliquer absolument partout. Hein. Oh bah il est là l'autre con, il est là l'enfoiré. On se cachait ici. Il gredin. Je veux un donut géant. On referme là. On peut refermer, ça c'est marrant ça. Bon, du coup il manque quoi? La grosse tête? Le burger? La grosse tête. Oh, la grosse tête, le burger. Putain, mais elle a dû probablement rouler sous une pierre. Faut que je regarde des tables. Les tables à bouffe.
En tout cas, on recherche plus personne et ça c'est bien. Belle avancée, le pop-corn. Il y a des burgers par terre. Attends une minute. Il y a des tentacules dessus. T'aurais pas fait un burger spécial tentacule? T'aurais mis quelque part pour un client? On peut les plier, les déplier. Qu'est-ce que c'est que ce seau à merde? D'accord. On regarde bien les tables. On regarde bien les cailloux. On peut allumer et éteindre les groupes électrogènes. Oh là, la tête du truc. Ouais, alors ça, c'est je peux ouvrir et fermer. Ils ont tous envie de pisser, c'est marrant. Hein. Mais vous êtes un peu con, pourquoi ils prennent autant de temps là? C'est quoi cette merdier? Bon, vous avez pas un burger un peu incroyable là, du cul? Quelque part. Attends, donc la statue de l'extraterrestre qui était, je sais plus où d'ailleurs, elle était là, roulée sous une pierre, mais c'est à dire c'est une licorne, elle est jolie. Pizza. Bon bah pareil quoi, tout à l'heure on m'a encore coupé un burger. Faut que je fasse la chasse au burger hein. Oh regarde, il est là. Il est là. Donc il me manque plus. Oh c'est pas vrai, il me manque plus que cette tête. Oh de peu. C'est un peu long quand même hein. C'est un peu long. Alors les têtes, est-ce que tu crois que tu cacherais ça genre dans les déguisements? Ou un truc dans le genre, elle a probablement dû rouler sous une pierre, hein, oui, c'est bon. Oh. Ouais, mais dans quelle pierre? Parce que bon, j'ai retourné pas mal de pierres, hein. J'ai vraiment retourné un max de pierres dans le désert, là. Max de caillasse, là. Et malheureusement... Bon, il manque plus que ça, hein. Attends, c'est bien. Ouais, j'ai cru que c'était un stand, du coup je recherchais quelque chose de plus gros. En fait, pas du tout. Ok. Donc, the head was just there. It's probablement behind the stone. Bon, bah, je viens de regarder les cailloux absolument partout. Je les ai tous touchés, même celui-là, à mon avis, j'ai dû toucher. Et en fait, voilà, il était caché là, je l'ai enlevé, et puis j'ai passé mon chemin. Mais en fait, oui, il est là. Ah, enfin, on a tout fini, enfin. Oh là 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 là. Eh ben, dis donc, c'était pas facile. Celui-là, le dernier, il était pas facile, on est à... Bon, je sais plus. On est à combien de vidéos? Attends, je te le dis. J'ai passé longtemps dessus. Une heure. On est à une heure. Une heure de plus. Enfin, une heure par rapport à... Enfin, par rapport à ce que j'ai coupé, ce que je vais couper, je suis à quasiment une heure. 57 secondes, 58, 7 minutes et des poussières. Bon, bah voilà. Voilà. Il m'a fallu un petit moment pour trouver ça. Hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. En tout cas, bon, voilà. C'est Où est Charlie, mais version hard. On a fini le troisième niveau et franchement c'était très très sympa. Ah, pardon les enfants parce qu'on va passer le truc de... Voilà parce qu'on va se dire au revoir, excusez-moi. Ah oui d'accord, vous êtes comme ça, vous me... Menu. Je veux juste voir le menu. Parce que du coup moi si je veux faire... D'accord donc ça j'ai tout fait. J'ai tout fait, très surprise. 5 sur 5, 10 sur 10. Et puis donc apparemment là c'est des vaches spatiales qu'il va falloir trouver. Je suis en train de perdre ma voix. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura diverti. Petit jeu très sympathique, je trouve très artistique. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de jeu. Tout est dessiné à la main, tu sais. On sent qu'il y a une âme dans le schmilblick et ça fait plaisir. Voilà, ça fait très, très plaisir. Sur ce, gros pouce bleu, gros abonnement et gros bisous surtout. Chouchou, bye bye. À la prochaine.